Merci, merci, merci. Ok. Ouais. Non, ouais. Tony. Mais ta mère. Oui, oui. Je suis pas bien. Salut, ça va? Ouais. Oui, oui. Attendez les gars, elle m'a fini un sprite et vient de m'exploser à la gueule. Non, je suis une merde. Je suis vraiment la plus grosse des sous-merdes. Mais la vérité, je suis assez étonnée de pas avoir eu un moment de... Je suis au taquet, c'est presque flippant en fait. En fait c'est flippant, je suis insupportable au quotidien et en plus j'ai genre une infinité d'énergie afin de dépenser cette insupportabilité genre. Il est sur ta gauche. C'est ma droite. Si vous vous droguez, c'est mal. Vous allez faire la morale. C'était le meilleur bâillement du monde. Vous avez pas kiffé le bâillement là? Moi je connais pas celle de Kenza Farah. Ouais. Tu connais pas celle de Kenza Farah? Pas celle-là en tout cas. Ça dit rien, je me bats, non. J'ai l'habitude d'avancer. Non, ça... Bon, je la connais pas très bien non plus en vrai, mais tu verras, c'est assez simple. Je mane, mane, prends mon envol. Non, je vois pas vraiment. Non, ok. Alors, jeune demoiselle, on connaît mieux du coup. Ok, vous êtes prêts? 3, c'est l'affiche. Dans 3, 2, 1. Aux ressources, zébardous, zébardis, on recherche donc ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de pierre de topaz, mesdames, messieurs, pierre de topaz, je dis bien dit ça, oui, dis mieux que rien de tout pareil. C'est gênant. Étoffes, deux... En vrai, j'ai bien rancé, je pense pas qu'il reste de l'eau de Javel sur mon plancher, hein. Vraiment, il est extrêmement bien, je pense juste qu'il n'y a plus aucune odeur. Il est en train de se taper une branlette. Voilà, vous aviez déjà vu un bulldog français se taper une branlette? Ben... maintenant, oui. Oh, j'adore! Donc là, vous avez rien entendu depuis le début. Depuis le début, vous entendez rien. Genre vraiment rien. Vous me voyez gigoter comme ça. Et c'est trop bien, à part ça, quelqu'un a clippé. Ça devait être absolument ridicule de fou. Là, vous m'entendez maintenant? Genre, ça devait être ridicule de malade, non? Je veux bien arriver. Et mets un revive là pour le poteau. Attends. Derrière toi. Il est derrière toi. Il est derrière moi. Là, t'as un slow, là, t'as un slow. Stop.
peu plus de moi. Attends, c'est grave coopératif avec. Là, il a donné un coup de couille, non? On est d'accord, c'est ce qu'il vient de faire. Il l'a fait, là. Tu vas le refaire. Oui, c'est ça qu'il a fait. Deux coups de couille, même. Une gauche, une droite. Mec, c'est quoi ces meubles? Vraiment. Un vrai rookie, hein. Derrière vous. Derrière toi et je peux revive. On a rien vu, t'inquiète. Non, mais Zizou, c'est le plus bizarre. Non, faut arrêter. Parce que Oruni, il aboie. Mais ça, c'est une histoire. C'est son caractère. C'est une histoire de piquinois et tout, en vrai. Mais lui, c'est vraiment le pire. Parce que depuis, en plus, qu'il y a le Jack Russell qui a essayé de le dégommer, les bruits qu'il fait quand il croise un autre chien. Des fois, il fait des bruits genre. Mais vraiment, comme ça. Vraiment, on dirait un humain qui crie de manière étranglée. Vraiment, mais il fait des bruits trop bizarres. Et en plus, il a de la force. Il me défonce l'épaule. Il tire comme ça. Genre, même si c'est un berger allemand. Hein. Why do you sit like that all the time? Because it's very comfortable. Ok, Dizzy. J'ai passé toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis, je te fous de moi. Et puis arrête, on sait que ton mec t'aime. Ton mec m'a dit tu sais, mais la nuit, vie, c'est une reine et je pourrais crever pour elle. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ton mec est pur, il te trompe pas, j'en suis sûre, mytho. Ça fait des mois que je sens son odeur.